Salut tout le monde, on est parti pour jouer à Hotline Miami. Un petit jeu bien sympathique, une bande son de fou. Un pur plaisir. Alors on va commencer. Donc tout d'abord, en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de record hier. Et en fait, j'ai eu un petit souci. Ça s'est pas enregistré. Enfin, en gros, j'avais mis dans un espace sur mon SSD. Où j'avais pas assez de place pour tout enregistrer, du coup ça n'a juste pas fonctionné. Donc du coup j'ai déjà fait une petite partie du jeu, on va la refaire, c'est pas grave, tant pis, ça me dérange pas. Donc on y va. Devoir tout relire une deuxième fois, ben Osef. Je suis là pour t'expliquer comment tuer. Ce jeu se joue avec les touches et la souris. Clique à gauche sur la souris pour cogner, vise la tête. Une fois que tu as mis quelqu'un KO, il faut l'achever. Appuie sur la barre d'espace pour cela, compris? Sûr? Clic gauche pour cogner, barre d'espace pour achever. T'as pigé? Faut pas déconner avec ça. Ok. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de changer de souris. Parce que. Un petit souci sur la souris avec laquelle je joue d'habitude, c'est très étrange. Mais en gros, quand j'appuie sur la molette, ça ne. Il y a une touche sur la molette et on ne peut pas changer les touches dans le jeu. Ce qui est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça, si vous voulez. Donc sur l'autre souris, la molette fonctionne. Elle est un peu dure parce que c'est une souris à 5 € de chez Action ou je ne sais où, mais voilà. On fera avec. Ok, maintenant tu peux essayer de tuer le prochain type, mais utilise la batte placée dans la pièce rouge par là. Ok, clique à droite sur la souris quand tu es à côté pour la ramasser. Puis clique à gauche sur la souris pour la faire tournoyer. C'est rentré dans ta petite tête, oui ou non? Clique droit pour ramasser, clique gauche pour la faire tournoyer. Tu écoutes au moins? Ben vas-y maintenant. Go, go, go. Hop. Clique droit. On ramasse, clic gauche, on tue. Bien joué, alors passons aux armes à feu, d'accord. Va chercher le fusil dans la pièce bleue pour les armes à feu. C'est comme avec la batte. Il suffit de cliquer à droite sur la souris. Tu crois que tu peux y arriver? Utilise la touche majuscule pour repérer les ennemis. C'est très utile pour éviter de te faire tuer. Tu peux cliquer sur la roulette de la souris pour bloquer tes ennemis. Voilà, c'est cette touche-là qui ne fonctionne pas sur votre souris, malheureusement. Mais pense à placer ton viseur sur eux d'abord. Clic droit pour ramasser, touche majuscule pour repérer, clic gauche pour tirer, roulette de la souris pour bloquer. Tu peux maintenant tuer le type dans la pièce jaune. Donc voilà, on peut lancer les armes et tout ça. Où est-ce que je l'ai lancé? Hop hop hop. Donc on peut faire. Avec la touche mage, on peut aller un peu plus loin en fait que ce que. Ouais, c'est pour aller voir plus loin que l'écran en gros. Mais on peut pas aller à l'infini non plus, il va me donner où c'est bloqué. Putain de souris de merde. Ce fil qui va se coincer, je ne sais pas où. Ok. Et alors, on a la fameuse touche de la molette qui permet de. Même si on tourne et tout ça, on a toujours le mec ciblé. C'est. Oh. C'est autant dire que c'est très très important. Voilà pour les bases, mais il y a toujours des petites astuces à prendre. Tu peux lancer toutes les armes que tu ramasses. Quand tu les lances, en fait, tu stun le pays. En cliquant à droite sur la souris, tu peux utiliser les portes pour frapper des ennemis. Ça, c'est énorme. Les armes à feu sont très brillantes et attirent l'attention de tes ennemis. Alors anticipe tes déplacements et utilise les armes de mêlée quand tu peux. On s'en fout, tu te feras tuer de toute manière, pas vrai? Ouais. En principe, je vais me faire tuer. On va essayer le moins possible, quoi. Mais c'est impossible. Il ne va pas mourir. Mais qui avons-nous là? Tu ne sais pas qui tu es. On devrait peut-être rester là. Mais je te connais, regarde-moi. On s'est déjà rencontré, non? Je te connais pas. Pourquoi es-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Tu veux vraiment que je révèle ton identité? Se connaître, c'est reconnaître ses actions. Récemment, tu as fait des choses horribles. Tu ne te souviens pas de moi? Je vais te donner un indice. Le 3 avril, ça te rappelle quelque chose? Je crois que c'est le jour de notre première rencontre. On dirait que ça te rappelle quelque chose. Ok. Donc voilà, apparemment on parle avec des gens chelous qui ont des masques d'animaux. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est Tim de la boulangerie. Les gâteaux que tu as commandés ont dû être livrés. Il y a aussi une liste d'ingrédients. Lis-la attentivement. Allez hop, une petite liste de gâteries. La cible est une mallette. La description de mise. C'est la cible au point F32 dans la benne à ordures. L'échec n'est pas une option. On te surveille. Merci monsieur Poule. C'est plutôt un coq qui va me dire, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on y va, hein. Première mission, on est parti. Donc le métro. Utilise les portes stratégiquement. Vous allez voir, les portes c'est très important en effet. Bon, du coup, j'ai déjà débloqué des masques, hein. Bah, c'est pas grave. On va les réutiliser. Donc Richard, c'est moi apparemment. Lui il a pas de faculté spéciale. Les autres ils en ont, genre le goût des secrets, je sais pas c'est quoi d'ailleurs, mais point des fureurs et tout ça. Enfin, point des fureurs ça veut dire que tu one shot. Tu one shot quand tu frappes au point. C'est mon préféré, c'est le plus pratique je trouve. Bon, du coup, on est parti. Écoutez-moi ces musiques, hein. Très important dans ce jeu, n'hésitez pas à mettre un casque et à kiffer.
Hop, on le met par terre, on le finit. La batte, on cible. Ok, bon, ça c'est les premiers niveaux, ils sont vraiment easy, easy. Hop. On tue tout. Bon, je le sais, il y a deux pays qui sont au bout du couloir. Normalement, on est censé. Non, j'étais censé faire ça, mais bon. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait hier, donc au début, on va essayer de. C'est pas trop se prendre la tête. Le petit bait. Allez, donne. La mallette. On retourne vers la voiture. Ambiance, moi j'adore ça, c'est incroyable. Oh, oh, ça. Ouais, quand tu. Putain, mais dégage, toi, le style series. En gros, quand vous. Quand le mec est par terre et que vous voulez le finir, il y a un certain nombre de coups à donner et. Il y a un certain nombre de quoi donner et on peut pas s'arrêter avant que le mec soit vraiment mort. Quoi. Hop, finishing. Genre là il y en a que un, mais voilà. Ici il y en avait 4-5. On retourne à la voiture. Et c'est parti. Donc on va déposer dans la benne à ordures. Bon, je suis vraiment désolé, hein, mais on va quand même essayer de faire ça pas trop lentement. Faut bien se dire au début, c'est pas non plus. Le truc, c'est que hier par exemple, j'ai pris un peu plus de temps pour faire les premiers niveaux parce que j'avais du mal à m'habituer à la souris. Maintenant, ma main s'y est faite. Donc voilà, le fameux claquement de porte. Et ouais, on tue les gens dans des claquements de porte. Une claque à la porte et quelqu'un mourut. Salut mec, ça fait un bail et je me demandais s'il était arrivé quelque chose. Tu étais super mal d'avoir perdu ta nana. Je ne t'ai pas vu après ça. Allez, parlons d'autre chose. Tu as la dalle peut-être. Laisse ça, c'est un cadeau, c'est bon de te revoir. Passe une bonne soirée, salut, bienvenue. Inutile de commander, la pizza est prête. Ok. Donc voilà, on reçoit une pizza, on tue des gens, on reçoit une pizza, sympa. Bon, les dialogues, je vous avoue que la ponctuation, je m'en excuse, mais c'est pas toujours évident de lire vraiment correctement vu que ça s'affiche sur deux lignes comme ça. Vous avez un nouveau message. Bonjour, c'est Linda. Il me faut une babysitter. J'ai ici plusieurs gamins qui ont besoin d'être dressés. Je suis sur la 7ème rue à l'est. Sois ferme avec eux. Il faut que quelqu'un sache parler à ses voyous et comme d'habitude, sois discret. Ok, je regardais juste un truc. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais les dresser, hein, ces voyous. J'adore ça redresser. Je suis un redresseur de tort, moi. The Pincher. No talk. Achève les ennemis au sol. Ouais, les titres d'émission aussi sont sympas en général. Le goût des secrets, bon, bah on va le prendre. Je sais toujours pas quoi c'est, mais. Hop, ok. Ah ouais, y'a personne ici. C'est parti, let's go. Hop, finish. Est-ce qu'il y a des pays là ? On l'écrase, lui. T'as pas envie de venir, gros ? T'as pas l'air quelque part ? Hop hop hop. Hop, on a fini. Du coup on peut pas profiter vraiment de la musique, désolé. Ah, ok, il y a 4 trucs qui s'affichent. Je sentais que tu n'allais pas tarder à arriver, sans en là le moment. Pardon, j'ai raté une phrase. Le moment, ok. Ne t'en fais pas, c'est offert par la maison. Salut mec, ça fait plaisir de te revoir. T'as su pour le massacre. Ouais. Ok, bon, je vais quand même essayer de me concentrer un peu pour lire parce que même moi je comprends pas trop ce que je lis tellement je vais vite. On va faire un peu plus attention. C'est pas très pro tout ça. Hein? C'est pas très pro. Mais du coup, on se fait à chaque fois appeler en fait, et on reçoit un petit message codé qui nous dit d'aller tuer des gens en soum soum. Vous avez un nouveau message. Thomas à l'appareil de la clinique de méthadone. Nous avons arrangé une courte entrevue pour vous ce soir. Nous sommes sur la 104.1. Et ne vous inquiétez pas, nous savons que la discrétion est très importante pour nos clients. Dans la discrétion, je sais pas, tu sais. Je laisse quand même des tas de cadavres derrière moi. Discrétion, on repassera quoi. Overdose, les hauts scores débloquent les masques. Ah, ok, voilà ça. Overdose. Le nom de mission, déjà, on a compris. On n'est pas dans un jeu pour l'étendre. Okay.
Ouais, enchaîner ces deux-là. Voilà. Ils vont pas se relever. Parfois ils font des blagues. Parfois ils se relèvent, je vous le dis tout de suite. Allez, tranquillement, tranquillement en train de faire pissou. On peut aller à gauche, à droite, voilà, à gauche. Tranquillement en train de faire pissou et hop. Ah ouais, j'ai remarqué ça hier. J'essaie de bien l'utiliser cette fois. Ah. Ah ouais, hier j'avais pas réussi à l'utiliser comme il fallait. Peut-être cramé. En gros, avec ce personnage, j'ai même pas besoin de prendre des armes au corps à corps, vu que dès qu'il touche avec les poings, il tue. C'est le tigre. Le tigre, c'est une machine. Ah, lui, il fallait finir. Ouf, écartement des yeux. Hop. Allez. Hop, 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 hop. Ils sont pas prêts, hein, ils sont pas prêts. Hein. Hop. Ils sont pas prêts, je leur envoie des armes, je les finish. Ouh, j'ai cru qu'il allait m'avoir, salaud. J'ai cru qu'il allait m'avoir, à me donner comme ça, il se déplaçait, il allait dans mon dos. Du coup, fini pour ce chapitre là aussi. Bon, ça en vrai, on s'en fout, hein. Je suis pas là pour faire les meilleurs scores d'internet. J'aime bien trahir les jeux, mais faut pas déconner quoi. DVD, l'autre nuit, des Russes apparemment. C'est pas une grosse perte, sur mon avis. C'est un dingue qui porte un masque en caoutchouc qui aurait fait le coup. On se croirait dans un film d'horreur. Ah oui, j'ai le film qu'il te faut sur mon bureau là. Prends-le, c'est cadeau. Amuse-toi, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûr que j'ai regardé ton film. En principe, je passe mes nuits à tuer les gens. Là. J'ai. Comment dire, à mon avis, j'ai pas trop la tête à regarder des films. En tout cas, belle vie, hein. Tu tues des gens, tu reçois des trucs. Genre une pizza, une boisson, pour avoir. Tu es une vingtaine de personnes, tu rentres chez toi, hop, demain rebelote, c'est reparti. Salut, c'est Kate du service de rencontre Hotline Miami. Nous avons arrangé un rendez-vous pour vous ce soir. Elle vous attendra sur la 53e place au sud-ouest. Comme d'habitude, pensez à porter quelque chose d'élégant. Quelque chose d'élégant, t'inquiète. C'est mon business. Donc on y va, on se retrouve toujours aussi dans cet appartement avant de partir. Décadence. Excellent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et cette musique, elle est trop stylée. Bon, bah, du coup, l'élégance. On y va quoi? En mode tête de porc. Tête de porc! Tiens. Hop. Ouais, pardon, j'avoue. Du coup, je savais qu'il était là. Je m'en souvenais d'hier, ne vous inquiétez pas. J'ai pas les yeux. Ouf. Voilà, les armes font du bruit. On y est quoi? C'est quoi ça? C'est une lampe. On y est. Ouh! Pas assez rapide, pas assez rapide. On y va, on y va, là, voilà. Bon, la bonne strat, la bonne strat. Qu'est-ce que ça va être? Oh! Je t'ai pas côté. Je suis passé entre les deux en mode. Allez! Non, non, pas du tout, pas vraiment. Ah ouais. Ah si on n'arrive pas derrière, on peut les exécuter en fait, je sais pas du tout ça. Ça par contre je savais pas, j'appuie sur espace au lieu de la touche tirer. Et ah merde, j'ai oublié celui-là. Et de fait bah du coup il est mort. Ah ouais, là, mais ça marche vraiment. Pas mal, pas mal, je ne savais pas. Bon, on va le faire finaux ici. Hop, claquement de porte, dans sa gueule. Donc là, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts non plus. Oh. Shit, 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 j'ai pas tapé. Il a été trop vif pour moi cet enfant. Bon, du coup, on va retourner par là, c'est une bonne technique. Oh, il s'est pas pris la porte, le salaud. Il s'est pas pris la porte. Ok, on commence. Pas grave, pas grave. On y va. Monsieur, bonjour. Surprise, motherfuckers. Double, double. Bon, lui il est plutôt easy. Ma souris, hein, ma souris. Dégage. C'est chiant ça. Je déteste quand mon fil vient se taper dans d'autres trucs. Ça me bloque à moitié le mouvement. Hop. Oh, mais oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Ah, je suis trop pressé. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce coup-ci ça passe, on en est sûr. On va faire ce qu'il faut.
Hop. On les bait. Ok, parfait. Ils sont rentrés dans 10 jours. C'est mieux, c'est les deux becs qui sont arrivés. Ça m'a facilité la tâche. Il faut monter à l'étage. Ok, petit bail. Oh. Oh merde, merde, merde. Oh putain, la porte. J'étais en train de taper à côté pendant des heures. La porte m'a sauvé. Ah ouais, c'est vrai, j'ai le cochon maintenant. Je peux plus one shot avec les points. Il me faut. Pour bien le faire, il me faut une arme. Bon, allez, on va prendre le shotgun. D'abord, on va aller tuer lui. Il y a un pay là-bas. Hop. Shotgun est de merde. Oh non, j'ai plus de balles, putain. Non, j'avais plus de balles. Hein. Putain, non. Quelle grosse merde, quoi. Allez. J'avais plus de balles. Je me suis ramené devant lui, je lui ai fait écoute, gros. C'est ton jour de chance. Je suis sympa avec toi. Donc, on va aller tout de suite là-bas. Oh, le salaud, il est sorti de sa pièce, quoi. Trop précipité encore. Trop précipité. On se le dit. Précipitation, il y a pas beaucoup. Hop, allez, tiens. Du coup, il est plus sorti de sa pièce, hein. Ça va, on va prendre le jeu de gueule. Ok. Fini pour lui. Donc, lui. Et en a, ils sont vraiment sourds, hein. Genre, lui, il est sourd comme un pot. Toi, mec, je t'engage pas du tout, hein, si t'es censé me. Oh merde. Fini. Hop. Ouais, y en a, ils sont un peu la ramasse. Hein. Ok, il faut toujours tout faire tout seul. Yeah. Ouf. Il était un chouïa de me niquer ma mère. Oh mon dieu! Pitié! Ouais, c'est ça, t'as cru toi? On n'est pas dans un jeu où il y a de la pitié, mec. Je t'éclate tes yeux, moi. Version Game of Thrones. C'est ça, finissons-en. Je savais que ça se terminerait comme ça. Comment? Je te sauve, hein, meuf. Et hop, je te ramène chez moi. Dans ma DeLorean. Mec, tu toucherais en voiture, c'est pas grave. On va dire que c'est ça. Claquement de porte. Ok, où est-ce qu'on est? On est au bar ici. Salut l'ami, bienvenue. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, ça va? T'es sûr que c'est raisonnable de boire? Ok, dans ce cas, je vais te préparer un truc spécial. Tu préfères sucré, ou amer, ou acide même. Et voilà pour toi l'ami, régale-toi. Sympa boy. De nouveau, j'ai l'impression... On peut pas aller à la barre. Il y en a qui joue à la console, il est en train de vomir. Et il fait quoi lui? Qu'est-ce que tu fous, mec? Ok, on va savoir, les toilettes sont là. Ouais, je sais pas. Ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Et on dirait qu'il asperge le mur de quelque chose. On s'en fout de toute façon. Question. Ah, on va retourner chez les trois. Oh, c'est encore toi. Mon directeur a été occupé depuis notre dernière rencontre. Tu te souviens de moi maintenant, non? Mais tu ne sais toujours pas qui je suis. Tu ne sais pas non plus qui nous a présentés, on dirait. Pourquoi es-tu revenu ici? Tu n'es pas gentil, hein? Tu me dégoûtes. Dégoûtes, feu. Je commence à comprendre, enfin... Je ne sais pas. Il y a encore des choses étranges, ou alors je n'aime pas ce que je vois. Le temps presse, mais nous nous reverrons. Avant de partir, réfléchis à ces quatre questions. Question 1, est-ce que tu aimes faire du mal aux autres? Question 2... Qui laisse des messages sur ton répondeur? Question 3, où te trouves-tu en ce moment? Et dernière question, pourquoi avons-nous cette conversation? C'est tout, pour le moment. A très vite. Bon, soit c'est complètement... Hey, Popeye. Soit c'est dans son imaginaire, il imagine des trucs avec Bazar, ou alors c'est très chelou, quoi. Il se rend... Enfin, ouais, non, d'office, c'est fictif, en fait. Il sait pas où il est. Enfin, soit...
Bonsoir. Blake à l'appareil. On a un boulot pour toi. Il y a une panne d'électricité au niveau de la 24e. On veut que tu t'en occupes. On a déjà envoyé quelqu'un il y a quelques temps, mais il semble qu'il n'a pas fait du bon boulot. Vas-y tout de suite. Ta tante. Et vite fait, bien fait. Bon, bah la vitesse, on va essayer. Je te garantis rien, ma bite. Tension. La variation est récompensée. La variation, qu'est-ce que cela cesse? Don Juan, porte létale. Ouais, on peut dire que ça peut être très très fort. Ok. Ok, par contre, j'ai pas d'armes. Ouais, ils sont loin ces deux-là. Ouais, là, plus facile. Hop là, le mec complètement malade dans sa tête. Le petit Kleps, allez viens là. Ils vont vite, hein. Ils vont vite les Kleps. J'aime pas ça. Le cut dans ta gueule, mec. Ok. Je t'ai tué à la porte. Je l'ai tué à la porte, c'est ridicule. Hop, hop. C'est énorme en vrai, c'est beaucoup trop fort. Ouais, on peut tirer sur la vitre. Ça bloque les shots, j'ai plus de munitions avec cette arme là. On va essayer de faire gaffe aux munitions. Hein. Hop. Easy, my man. On monte, deuxième étage. Oh! Ok, sourd comme un pauvre. Ah ouais, ok. Les autres ont entendu, mais pas toi. Ok. On les a bait comme des porcs. Ce genre de décal, mon gars. Ce genre de décal, il n'a plus de jambes. Il n'a plus de jambes. On tire une balle et se bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Mais comme de l'an 40, mec. Hop. Du coup, ce qui se passe, c'est que ici, bon, bah, hier, j'ai fait le petit test, hein. En fait, la porte, elle est. Ouais, des explosifs, hein. Je l'avais vu, hein, qu'il y avait des trucs hier, mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, sur la porte, j'ai explosé, je suis mort. Donc, bon, bah, voilà. On va pas faire la même chose deux fois. Voilà, en gros, ça fait ça et j'étais mort. Donc, Et eux, alors, du coup, ils se relèvent. En fait, ils sont cachés là, comme ils sont là. Oh, ouais, c'est vrai. Ouf. Là, je vais me faire saucer par l'autre. Ok, il est mort. Ils sont cachés là, si je fais. Ah, voilà. Ok, il s'est relevé trop vite. La patience est souvent punie. Il vaut mieux prendre son temps. Patience est mère de vertu, je crois. C'est ça qu'on dit. Hein. Bon, j'avoue que dans ce jeu. C'est pas vrai. Faut y aller, faut tracer. On n'est pas là pour passer 6 heures sur un niveau, enfin, en tout cas pour le début. Après on verra bien sur la fin du jeu, je suppose qu'à la fin il faudra retenter avant d'y arriver. Hey, qu'est-ce que vous faites les gars? Genre je me balade tranquille. Et quoi, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon poteau? Enfin... Oh salut, ça fait plaisir de te voir, je m'inquiétais pour toi, les rues ne sont pas aussi sûres qu'avant, hein. Tous ces meurtres, tout ça, non, laisse. Tu es mon ami, ne me vexe pas avec ton argent, passe une bonne soirée. Bon, gros, je te le dis comme ça, si tes affaires, c'est... Ah, c'est fini maintenant. Et en fait, il y a plusieurs gens comme moi, du coup. Par exemple, j'avais pas vu du tout qu'il y avait un mec qui se faisait massacrer dans la rue. Le 11 mai, on est à Miami. Je sais plus où j'ai entendu ça, Maya, mais ça me fait bien marrer. Un client sur la 181 a des problèmes de parasites. Essaye de t'en occuper aussi vite que tu peux. Quelqu'un d'autre viendra nettoyer après toi quand tu seras parti. Fais bien attention de ne pas déranger les voisins. Ok. Parlant de parasites, j'ai vu l'anime la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez bien les animes, c'est un peu gore et tout, mais c'est une tuerie. Je vous le conseille. Ça se bouffe. En 2-2, soit rapide et efficace. Ça on essaye, marchez vite. Bon, voilà, tout est dit. Le lapin, pas mon préféré, mais bon, c'est pas grave. On y go, on teste tout. Bon, je suppose que c'est un petit côté pratique sur ce genre de. C'est quoi ça, pied de biche? Ouais. Oh, je suis passé à travers. Ok. Oh.
Oh, ouf, ok, pas par là. Ok, pas ça non plus. Oh, le katana. Ah, ça j'aime bien ça. Ça, c'est le swag, mec. J'ai toujours rêvé. Un putain de samouraï. Un yakuza, quoi. Regarde ça, regarde ça. Ça les découpe en deux, ça fait des double shots. C'est ça qu'on veut. Oh. Ouh, ce genre de truc où le mec prend pas tout de suite. Elle a un peu la pétoche, hein. Bon, du coup, en vrai, il reste que lui. Allez hop, sur les tacs de cuisson, mec. Je suis un mec violent, moi. Oh, oh non. Oh. Oh putain. Ouf, j'ai cru qu'il allait me faire la même. Qu'il allait aussi esquiver comme ça. Heureusement, il m'a pas tué tout de suite. Le mec est en train de pisser au shot. Ils ont quoi comme arme? Ok, il y a ces deux-là qui ont des armes. Oh. Oh le salaud! Donc on y va. Ah ouais, j'étais trop imprudent sur ce coup-là. Non! Trop imprudent aussi. On y va. Il y a une bouteille, c'est de la merde ça. Iiii! Vous m'avez pas vu? Non, pas vu, hein. C'est vraiment aveugle. Oh! Il a trop les boules en fait. C'est ça qui se passe. Hop. Il a trop les boules, il m'a vu tuer son pote en fait. Non. Non. Taïo mec. Malheureusement. Pour finir la mission, je suis obligé de le tuer. Non, parce que je pourrais être sympa, hein. Je suis un mec comme ça moi, mais. Je suis un mec sympa. Oh l'enculé. Mais faut pas jouer avec mes couilles. Hop, hop. Non, je déconne. Je dis ça parce que j'ai un sabre. Il est où le deuxième? Ok, carnage ici. Hop. Salut copain. Hop hop hop. Ouais, il y en a un car là. Ils sont loin quand même. Ils sont tous les deux très très loin. Ils sont pas armés. Écoutez, on va se la faire en mode tu meurs, c'est tout. Hop là. Voilà le shotgun 2 balles. Autant dire que c'est pas très pratique dans ce genre de jeu. En tout cas, je trouve, hein. Peut-être qu'il a un meilleur cône de dispersion, c'est possible. Mais en tout cas, moi j'aime pas trop. Je préfère l'autre que j'utilisais au début, hein, 6 balles. Ça casse beaucoup plus des gueules. On peut se rater et se rattraper tout de suite après. Plus efficace selon moi. Ok, alors où est-ce qu'on en est? On est à la pizza. Bonsoir, comment vas-tu? T'as l'air perdu dans tes pensées, quelque chose tracasse. Les temps sont durs, hein, les clients sont rares. Peut-être que les pizzas aient passé de mode. Je devrais peut-être mettre la clé sur la porte. Tu vas respirer, gros? Tu vas respirer? Bref, où est ta commande? Et pourquoi est-ce que tu bouges encore ta bouche? Un de ces quatre. Allez, donne la pizza. Pizza passée de mode. Pff, jamais, les gars. À mon avis, ils sont juste dégueux, tes pizzas. Parce que tout le monde mange de la pizza non-stop, hein. C'est un plat indémodable. On fait ce qu'on veut avec, on met ce qu'on veut dedans. Ça pourra plaire à tout le monde. Ouais, ok, j'aime bien la pizza. J'aime bien la pizza. Salut, c'est Don de l'hôtel Blue. On a besoin de toi ce soir. Notre réceptionniste est rentré chez lui à cause de problèmes d'estomac et on a des autres VIP qui vont séjourner chez nous aujourd'hui. Débrouille-toi pour qu'il passe un excellent séjour. Ce sera ta première priorité ce soir. Allez, en route. Et madame, elle prend un petit bain. C'est tranquille chez moi. Elle ferme la porte à clé. Attends, je suis désolé, mais je te sauve et tout. C'est quoi ça? Hey. Le meurtre au masque continue. La nuit dernière, une douzaine de corps ont encore des connexions avec la mafia russe locale. La police dément les rumeurs d'un mouvement autodéfense. Ah, il y a quand même des trucs avec lesquels on peut interagir. Ça va pas du tout. J'avais pas remarqué. Il y a des trucs que je remarque aujourd'hui que je n'avais pas du tout vu hier. Pas du tout. Tu peux tirer au travers de certains murs. Ouais, les clean it. Ah, il y a encore une petite musique. Denis, commence avec un couteau. Vas-y, Denis. Mande-moi de galpoter de chauve. Y'a personne là. Ça
ça doit être horrible quoi, se faire tuer au jog franchement. C'est vraiment pas gay je pense. Bon, de se faire tuer c'est pas gay hein, de base, mais à mon avis au chiottes. Au chiottes c'est encore pire que tout quoi. Dégage. Oh, doublé. Ah, il y en a quoi? Ah ouais. Il est pas pris lui. Ok. Oh merde, j'aurais dû prendre l'arme, je suis trop con. Non! Parce que je l'ai jeté. Hop, il faut aller là. En vrai, là, il y a deux pays, mais. C'est bien fait pour que tu puisses pas trop. Bon, avec une arme, il y a moyen de se tirer au pif. Bon, puis je vais vous le montrer. Ça, hop, on peut les voir. Donc, avec une arme, il y a moyen. À partir du moment où on fait ça, ils sont là direct. Ah, oh, j'ai perdu mon masque. Du coup, on passe par la fenêtre. Et ouais, parce que c'est. Faut pas croire, c'est aussi un jeu d'infiltration. Hein. Pour qui vous me prenez-vous? Putain, lui, sa vie était de rat. Il était déjà chez moi, j'aime pas ça. Ok, ok. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Avec cette arme-là, je sais pas pourquoi, il y a des mecs qui se relèvent parfois, donc du coup, c'est pour ça que j'ai attendu un peu. Ok, nul. Bon ça, bon ça. Ok. Easy. Et on peut pas aller lui niquer sa mère. Parce qu'avec une... Franchement. Ça se voit quoi. Ça se voit que le mec il est pas là pour. Enfin il est pas là pour faire du bien non plus quoi. Ok, il fait genre qu'il fait le ménage, mais. Il y a un Anguille sous roche. Je vous le dis. Ouais. Clean it. Ok, à moins. A priori, à moins, c'est pas trop dégueulasse. Encore un petit DVD. Hey, salut mon pote, la vache, ça fait plaisir de te voir. T'as vu les infos, t'as vu ça, les meurtres. Mais bon, c'est top secret, n'en parle à personne. Mais je connais quelqu'un, la police, il dit qu'il y a des rumeurs sur la rue. Il n'y aurait pas un, mais plusieurs coupables. Un groupe de personnes qui portent des masques et qui tuent des Russes. Comme dans les films, c'est carrément fascinant. Eh bien, je pense que c'est génial. Ok, prends le film que tu veux alors. C'est cadeau, c'est fait pour ça, les amis. Ouais, si tu le dis, gros. Si tu le dis, si tu le dis. Il est là. Le mec, c'est fascinant. Il y a des gens qui tuent les autres. Ouh, la vie, elle déchire, mec. Peut-être que demain, ce sera moi. Ouh, complètement fou, mec. Moi, je vois ça. Je sors plus de chez moi. Je mets des verrous, des systèmes d'alarme. Moi, j'ai un gun. Harry à l'appareil du management. On a un problème. C'est le bazar ici dans les immeubles de la 122e rue. Une tuyauterie d'eau d'un des résidents a éclaté, il y a de l'eau partout, tout l'immeuble va être inondé d'ici peu, j'espère que tu peux t'occuper de ce merdier immédiatement. Va falloir insister sur la serpillière. Ok. Y'a pas encore un petit journal ou quoi? Un petit truc à lire sur la mafia russe? Visiblement pas. La meuf, j'ai déjà essayé, on peut pas interagir avec elle. C'est vraiment la pire quoi, tu la sauves et tout et dis pas bonjour pour au revoir. Elle m'a défoncé la rondelle. Comme dirait Michael Jackson. Neighbors. Petite référence à Mozino. Ouais, George de la jungle. Mais regardez. Je pense que c'était pas top, mais en vrai, là, c'est vraiment cheaté, quoi. On peut vraiment tout voir. On peut tout voir direct. Normalement, j'aurais été limité genre à ici, mais grâce à George, on peut tout voir. Les masques ont des prénoms, hein, normal. Hein, ça va être sympa, ça, tiens. Ça va être sympa. Oh. Mais sans armes, ça va pas être drôle, hein, ça. Plus il y a Fat Joe, mais Fat Joe, je peux pas l'avoir encore. Hop, 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 finish him. Oh! Ah! Je sais pas s'il y a deux doigts de la triplette là. No move, ok? Pas bouger. Pas bouger. Bon, du coup, ils sont tous morts en vrai. Oh, il y a un nouveau gun là. Ah ouais, putain, je suis Lucky Luke là. Bef! Ça classe, mec. Ça classe. Ça, j'aime bien ça. Ça me plaît. Ça me plaît. On dirait vraiment. Ouais, je vais casser des gueules avec ça. Ouais.
Oh! Ouais, le chien, il passe en dessous des balles, hein, cheaté. Ouais, le chien, il va me saouler. Oh! Oh. Ok, bon, ces deux-là, ils sont bien casse-couilles, hein. Pas se mentir. Allez, fini! Personne m'a entendu. Ah, j'ai pas d'arme. Ah, si, ok, j'ai cru qu'il avait pas mouru. Il y a plus personne a priori. Respecte-toi, un biche. Ok, clean, clean, clean. Bon, et bah, une fois qu'on a tué les deux premiers, c'est pas secret. Ok, encore un étage. Vas-y, Georges. Ton sens de l'observation me plaît bien. Donc, a priori. A priori. Oh. Eh ben, pas vu. Oh, je l'ai pas. Par contre, il est dans. Ouais. Et j'ai plus d'armes. Non, c'est des salopards. Bon, comment est-ce que je vais faire ça, moi? Ouais, ça me semblait compliqué. Aïe aïe aïe. Allez, j'ai ciblé le mauvais. Pas grave. Non. Ah putain, de nouveau, ils sont bien collés, hein. Okay. En vrai, si on fait la strat du bait, ça passe plutôt pas mal. Ok, moi je voulais prendre le truc là, bah apparemment ça n'est rien. Allez, viens là. On va prendre, non. Une mission, c'est pas assez. On va vous montrer un peu la M4. Alors voilà, t'as ce son, quoi. Franchement, hein, une fois que vous jouez, vous remarquez pas trop le son, mais en vrai c'est trop tué, quoi. Merde. Ok. Un carnage pareil, on s'y attendait pas spécialement. C'est quoi ça? Bizarre, on dirait genre une statue de guépard, je sais pas quoi. Oh, dans l'embranchement de la porte. Et le téléphone sonne. Petit changement de programme. On a un petit plaisantin en compagnie, bazar, j'ai pas vu. Ce serait bien que tu ailles le raisonner si tu vois ce que je veux dire. C'est sur la 342e au nord-ouest. Vas-y maintenant, en vitesse. Let's go. En vrai, ça c'est le premier boss. Il est super. Enfin, une fois qu'on a compris ce qu'il fait, super facile. Du coup, Ouais. En gros, il a fait un carnage. Hein, mec. Il a fait un carnage, honnêtement. Je suis presque jaloux de la technique. Voilà, il a bien niqué tout le monde. Couper les gens en deux et tout, professionnel, hein. Mais par contre, il sait pas quoi, je m'appelle Georges. Donc bon, on va prendre un club de golf, et voilà, le mec en fait, il fait certaines attaques, et à un moment donné, il va... Enfin, vous allez voir. T'es un homme mort. Ok. Ah bah voilà. Bah, il l'a dit, hein, je suis un homme mort. Le truc, c'est qu'il faut aller chercher le club de golf. Hop. Ah voilà, il fait des petites attaques comme ça. En fait, en vrai, on peut pas le tuer au début. Et puis là maintenant il va lancer son couteau. Il va le lancer dans le mur. Oh putain. Le seul truc à faire, c'est de garder une certaine distance. Parce que si on garde la distance, bah, on a le temps d'esquiver le couteau et tout ça. Et en fait, plus on va rester dans un coin, et plus genre là j'ai pris blindé distance, c'est bien. Là j'en ai encore blindé, là je suis bien. Hop. Et là Mdani va lancer son couteau. Le truc, c'est que je suis pas très bien en vrai. Ah si, voilà. Hop là, voilà. Encore une fois comme ça. Et c'est bon, en fait quand il lance son couteau, bah, il va le rechercher. Oh non, il va le rechercher. Et à ce moment-là, on le plante. On peut le cibler aussi, c'est pratique. Hop, on va de l'autre côté. On le feinte. Hop, on le feinte pas. Et voilà, c'est fini. C'est pas possible. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Pas comme ça. C'était si... Écoute, mec, je ne fais... Ta mère. Pef. Club de golf, mec. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien que j'ai un club de golf. Bon bah du coup, premier boss fini, a priori, je ferais bien une petite pause là,
ferais bien une petite pause. Donc, ok, où est-ce que je vais arriver après ça? On va quand même voir où j'arrive. Classe B est moins fieux. Excellent. Là, on va prendre ça. On va prendre le petit objet. On va s'arrêter. Quel plaisir de te revoir, mon ami. Comment ça va ce soir? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Pour tout te dire, je ne suis pas au top non plus. Ça doit être quelque chose dans l'air. Je ne sais pas. J'ai un très mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de terrible allait se produire ce soir. Je n'ai pas ressenti ça depuis San Francisco. Je n'aime pas ça. Mais alors, pas du tout. Ça te dit un verre? C'est pour moi. Enfin, un mec qui. Voilà. Il a un peu la tête sur les épaules. Il se dit que c'est pas cool ce qui se passe, quoi. Pas comme l'autre là, c'est fascinant, hein. Brutif. Hein. J'en crée et toi t'es heureux. T'as ten bies, hein. T'es ten bies. Power tree. Visitation. Ah ouais, on retourne chez eux. Bon bah, du coup, on va lire ça aussi. Puis on coupe. Alors, comme ça, tu es revenu. Comment vas-tu? Tu as l'air malade, tu devrais peut-être consulter un médecin. Je t'avais dit de ne pas revenir ici. On dirait bien que tu te moques de ce qu'il peut te dire, de ce que je peux te dire. Si tu continues à venir ici, je vais partir. Tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé la dernière fois. Je ne suis pas là pour te donner des réponses. Des questions, c'est tout ce que je peux offrir à quelqu'un comme toi. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais te reposer. Il faut parfois savoir lâcher prise. À vouloir trop en faire, on finit par craquer et par ruiner tous ses efforts. Notre prochaine rencontre sera la dernière. Je le vois dans tes yeux. Avant de partir, laisse-moi te dévoiler trois prédictions. Une personne que tu connais n'est pas celle que tu crois. On te prendra bientôt pour une chose... Quoi ? On te prendra bientôt une chose qui t'appartient. Le 21 juillet, tu te réveilleras dans une maison. Dans une plus grande maison. Ok, c'est tout. Je dis les mots à la fin de la phrase d'abord. Bon, ok, ça va, on va faire une pause. Et bah, très bientôt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ciao !